Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro de On en parle ou pas, votre émission consacrée à la branche e-sport des jeux de combat. Et pour ce sixième numéro, nous allons parler de la cinquième édition de la KQ Top League. Et pour cela, je suis accompagné comme d'habitude de Will Tupac. Et pour remplacer Drus qui travaille au moment même où l'on enregistre cette émission, nous avons Martellus, mais aussi, attention, nous avons avec nous Monsieur Ken Bogard qui nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Honneur partagé, ça va très bien, merci Kaïs. Et moi aussi, hein, comme d'hab, hein, la Max. Et toi, Marcellus, ça va ? Ça va tranquillement, toujours. Très bien. Alors, avant tout, merci Monsieur Bogard d'être avec nous. Et de rien. Et qu'est-ce que ça fait d'abord hein, d'être l'invité d'une émission de, sur les jeux de combat pour parler de ton bébé, on peut dire ça comme ça, hein, sachant que ouais. Toi-même, tu réalises une émission sur le même sujet, sur les jeux de combat. C'est rare, c'est quelque c'est chose qui est assez rare. Les émissions sur les jeux de combat sont trop peu nombreuses, ont trop peu d'invités, malheureusement. C'est clair. Et oui, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir parler sans être forcément celui qui pose les questions tout le temps. C'est vrai. Ah, j'avoue. Donc c'est cool. Merci de m'avoir invité. Mais et puis, parler d'e-sport et de jeux de combat en même temps, c'est aussi rare. Donc, ça fait plaisir. Ok, très bien. Donc, on va commencer tout de suite. Hop, on a 30 minutes devant nous. D'abord, première question pour toi, Ken. Comment t'es venu l'idée de la KQ Top League ? On sait qu'il y a derrière cela la ligue japonaise. Il y a la Topanga League, mais il y a surtout une idée de Ryan Hart. C'est lui et moi qui avions discuté de ça il y a quelques années. Je me rappelle bien, ça devait être au tout début de Gaming Live, aux alentours de 2014, où on s'était retrouvé au Meltdown à Paris. Il y avait tournoi et Ryan était là. Et on commençait à discuter. Ryan me disait, il n'y a pas assez de trucs qui réunissent tous les joueurs européens. Ça serait bien de créer des événements un peu invitationnels, un peu tout ça. Et je disais, mais oui, ça serait une super idée. J'ai l'avantage, j'ai des locaux. Si j'arrive à motiver les équipes et tout ça, je pourrais créer ce genre de truc-là. Plus que ça se fait pas, les tournois invitationnels en Europe, ni rien du tout. Ça peut être une vraie opportunité déjà de mettre en avant les joueurs européens. Les entre guillemets starifier un peu, mais aussi de proposer un show qui est maîtrisé et bon. Ce que fera et ce qu'a fait ensuite après très bien d'ailleurs le Red Bull Comité de façon internationale. Mais l'idée c'était vraiment de proposer aussi une ligue et qui soit pas un pay-per-view comme l'était la Topanga League et qui traîne pas non plus sur un mois de compétition, hein, chose qui d'ailleurs n'est quasiment plus possible aujourd'hui, on en reparlera. Ouais. Mais voilà, donc l'idée est née de ça, j'en ai ensuite parlé moi à mes équipes chez Gaming Live qui étaient saucés parce qu'ils cherchaient évidemment à créer aussi des événements et autoproduire des événements qui leur étaient propres, sachant que les équipes de GL c'était ceux avec qui j'avais déjà travaillé chez O-Gaming, pour le Bataclan, pour d'autres événements comme ça que j'avais déjà co-organisé. Donc l'idée était assez naturelle. C'est un truc qui germait plutôt dans notre tête depuis longtemps. Du coup, il a fallu quelques mois pour qu'on puisse mettre tout ça en place et est née donc du coup la première KQ Top League dans les premiers locaux de Gaming Live. Très bien, j'imagine qu'aujourd'hui tu en es amplement satisfait. J'en suis satisfait et jamais satisfait, on va dire. C'est toujours quelque chose, un petit problème. Enfin, c'est toujours l'envie de faire mieux à chaque fois. J'en suis satisfait dans le sens où ça va être la cinquième édition, qu'on a même une édition Christmas, la France contre l'Angleterre, qui a vraiment cartonné. Et ça, cet esprit-là, je pense que ça reflète aussi super bien l'esprit des jeux de combat. Et c'est aussi ce que je veux montrer, ou en tout cas que je m'évertue à montrer depuis des années. Et organiser des événements comme ça, ça m'a toujours fait vraiment plaisir. Et j'en suis pas satisfait dans le sens où à la cinquième édition, je suis entre guillemets encore tout seul avec mes petits bras pendant des mois et des mois et des mois à aller chercher des budgets, des machins, des trucs, des bidules, sans avoir réellement de véritables gros sponsors derrière qui supportent, comme c'était le cas de Nico pour la Topanga League. Ouais, qui mettent le fric, ouais. Exactement, comme c'est le cas de Twitch pour le Capcom Pro Tour, comme c'est le cas de tout ça. Là, je suis tout seul. J'ai 5000 euros de budget net à chaque fois pour faire les cash prizes, pour inviter de 8 à 10 joueurs, pour organiser tout l'événement dans ce qu'il a
dans ce qu'il a d'extraordinaire. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et cette année, c'est ajouté à cette complication-là l'arrivée d'un nouveau jeu. Mais qui est quand même pas rien. Donc on a fait la première donc Cactop League alors que le jeu était encore un petit bébé finalement, que les phases en étaient à son balbutiement. Les résultats ne voulaient peut-être pas forcément dire grand chose même à cette époque-là, mais c'était vraiment histoire de marquer le coup. On est là, ça va continuer, vous en faites pas. Et là cette année, toute la première saison a été emmagasiné par tout le monde, donc on va avoir le meilleur niveau de la saison sur la première saison, donc cette première version du jeu Street Fighter V, avec quasiment tous les meilleurs européens réunis, donc ça c'est vraiment une satisfaction. Il manquera vraiment Finom qui est le grand absent de cette ligue, ouais. Et on va pouvoir réellement découdre, et vous verrez, l'aréna aura un peu changé, on a investi dans un panneau LED gigantesque pour retransmettre les tournois, vous allez voir, je vais prendre quelques photos. Je les mettrai sur Twitter, c'est assez stylé. Mais voilà, le but, c'est évidemment de créer à la fois un show divertissant pour les spectateurs, mais aussi quelque chose d'utile, pour le coup, pour les joueurs, pour qu'ils puissent s'entraîner pour les choses qui comptent. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le Capcom Pro Tour. Bien sûr. Donc, format PS4, donc les meilleurs joueurs européens du classement Capcom Pro Tour de sélectionner, etc., etc., etc. Voilà. D'ailleurs, tu parles de la Cacutop comme si c'était ton bébé, c'est mignon, c'est émouvant. Quel est ton plus beau souvenir à la Cacutop League? Je pense qu'un de mes plus beaux souvenirs à Cacutop League, c'est le match entre Infectious et Gagapa de la Cacutop League numéro 3, il me semble, où c'était la première Cacutop League en pleine arena. Et Infectious revient, il me semble, de 4-0 ou de 5-0. De 4-0 à 6-4. Ouais, balle de match. 4-0, balle de match. À 6-4. C'était juste incroyable. J'ai revu encore les images aujourd'hui parce qu'on travaille sur les trailers d'introduction et c'est juste fou, complètement fou, absolument malade. C'est parce que ce match, il était vraiment extraordinaire pour le coup. Et ouais, ça, c'est vraiment un très très bon souvenir. Deuxième meilleur souvenir, la déculottée de la France durant la Cacutop Christmas. C'est quelque chose, je peux pas. Je sais pas si c'est le meilleur souvenir, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué le plus. Hein. C'était assez extraordinaire. Et ces Anglais qui fanfaronnaient, ça me. Ça n'est toujours pas passé. Cette Cacutop est d'ailleurs un demi-France versus Angleterre, puisqu'il y a 4 joueurs français, 4 joueurs anglais, un Irlandais et un Belge dans la sélection. C'est assez finalement aussi très orienté dans le combat France contre l'Angleterre. D'accord. Et donc pour cette année, comment précisément tu as sélectionné les joueurs pourquoi Infectious à la place de Phenom? Alors, pourquoi Infectious à la place? Alors, Infectious n'est pas à la place de Phenom, il est à la place de Ryan, très exactement. D'accord. Et Cobblecock a pris la place de Phenom parce que Phenom ne peut pas, et Cobblecock est celui qui est juste derrière. Voilà. D'accord. J'ai choisi Infectious parce que c'était le joueur qui montait le plus en ce moment, qui remportait des tournois avec Zangief. J'ai choisi Infectious parce qu'il jouait un personnage qui n'était pas encore dans les 10 personnages sélectionnés de cette ligue. J'ai choisi Infectious parce que depuis la 3, il n'était pas revenu aussi dans le circuit. Et en fait, à partir d'un moment, quand on prend, donc la sélection, elle s'est faite par le classement Capcom Pro Tour, hein, vous pouvez le regarder, vous prenez les 10 premiers Européens sans les Asiates, sans les Américains qui sont venus gratter des points du Capcom Pro Tour, vous avez de 1 à 10, vous avez en gros les premiers, sauf Infectious qui lui est 14e, mais arrivé en bas, quand t'es dans les 30 points, en fait, t'as 33, 32, 31 points. En fait, c'est des points qui ont été glanés un peu au début, à la fin. Par exemple, de joueurs Kongster qui ont fait le début de la saison, qui ont arrêté ensuite. Valmaster qui a fait le début de la saison, qui a arrêté ensuite, ouais. après le jeu. Donc, j'ai pris aussi en compte ceux qui jouaient au jeu, ceux qui s'investissaient réellement dans le jeu à l'heure actuelle. Infectious, il est arrivé tard sur le jeu, mais depuis qu'il est arrivé, il est considéré comme une menace. Et je pense que Zangief, ça peut être hype. Donc, c'est la caution... La caution hype de aussi un peu de ce tournoi. D'accord. C'est le seul qui est un peu en marge du classement. Sinon, les autres, vous prenez, c'est les 10 premiers. Il n'y avait pas d'emploi. Et pourquoi finalement tu as décidé de faire cette Cacutop sur une seule journée? Alors, malheureusement, je ne l'ai pas décidé. Alors, ça a été.
ça a été l'enfer absolu. Donc, décidant de la KQ-Top sur deux jours, l'annonçant un mois à l'avance, malheureusement, Red Bull n'était pas au courant de mon annonce et a décidé de poser du coup la date des finales du Red Bull 5G, qui est un, en fait des finales sur qualification, où il y avait des tas d'étapes de qualification du Red Bull 5G partout. Or, Amstel Daddy et Infectious sont qualifiés pour les finales de ce Red Bull 5G qui se joue dimanche à Londres, dans une salle réservée. J'ai donc contacté El Chiquito, le responsable e-sport Red Bull, pour qu'on puisse trouver un arrangement. Et je lui ai dit que s'il arrivait à décaler un peu le dimanche le jour, nous, on pouvait s'organiser pour tout faire sur une seule journée le samedi, qui va faire une grosse journée, bien entendu. Mais si on ne fait pas ça, j'ai ni Infectious ni Amstel Daddy. J'ai déjà pas Finum, j'ai déjà pas Ryan. Donc en gros, c'est pas non plus la peine de faire une KQ-Top entre français, tu vois. C'est pas le but, c'est vraiment de déterminer qui est le meilleur. Mmh. Et surtout, bah voilà, il y avait plus grand intérêt à tout ça. Du coup, ça a été un véritable casse-tête. Il a fallu que je voie avec la production si c'était possible, si tout le monde pouvait monter le plateau pour 10h du matin, si les joueurs pouvaient être présents, ce qui m'a obligé à décaler des joueurs qui ensuite se sont plaints, parce qu'on connaît tous les joueurs qui whinent dès qu'ils ne sont pas contents. Ouais. Mais finalement, tout semble se goupiller. Donc, on devrait y avoir tout le monde le samedi et toute la journée de samedi qui va donc se dérouler avec les phases de poule qui vont être de 10h jusqu'à environ, je dirais 16h, chose comme ça. Et ensuite, les phases finales qui seront de 16h jusqu'à 22-23h. Ouais. Jusqu'à la mort, quoi. Ça va être ça. Jusqu'à la mort, mais avec que du bon match. Et c'est surtout, ça qui est bon. Espèce de... Là, ce qui est génial, on va dire, entre guillemets, à part Crimson et Will Tupac, qui ont tous les deux une Laura, mais Crimson va plus jouer d'Alcim la plupart du temps que Laura. On a 10 joueurs, 10 persos différents. On va avoir des tas et des tas et des tas et des tas de match-up différents qui vont être joués à la KQ-Top. Ça va être très intéressant. Chose qui m'avait un peu, on va dire, laissé sur ma faim dans la première, où il y avait quand même 3 Chun-Li. Il me semble, à quelques top league la dernière. Bon, c'était le perso du moment. Faut le dire quand même. Donc ça, là, j'ai pris juste le classement du Capcom Pro Tour. Et même si j'avais pris Ryan, même si j'avais pris Phenom, il y aurait eu des persos différents. Il y aurait eu la variété, ouais. Exactement. Donc franchement, ça montre aussi à quel point le jeu permet de s'exprimer avec un peu tout le monde. N'en déplaise à Wolfcrown. Mais et ça permet aussi de voir plusieurs personnalités et plusieurs persos s'affronter là-dessus. Donc ça, je pense que déjà rien qu'avec ça, ça va être extraordinaire. Même si c'est sur qu'une seule journée, finalement, ça permet de concentrer la hype sur une journée, ce sera très bien. D'accord. Et pour vous trois, même toi, Kian, t'as le droit d'y répondre. Qui voyez-vous remporter cette KQ-Top? Et pour toi, Tupac, qui crains-tu le plus? Parce que tu vas participer également. Ouais, moi, celui que je crains le plus, c'est Luffy. C'est vrai? C'est juste Luffy? Ouais, juste Luffy, à cause de son perso, de lui, et puis du match-up. Juste, il n'y a que lui. Ouais, il y a Infectious quand même qui me fait quand même un peu réfléchir, mais bon, je pense que si je tombe contre lui, je chercherai pas à comprendre, hein. Je prendrai un match-up de merde contre son perso de merde, et puis voilà. Est-ce que ça veut dire que tu vas ressortir ton hache? Exactement. Ok, très bien, très bien, très bien. Et toi, Martellus, qu'est-ce que tu vas gagner qui vois-tu Luffy pour la France, mais sinon, Amstel Daddy, ces derniers temps, il montre des belles choses, hein. Il montre qu'il est présent, le mec, hein, aussi. Hein. Je le sentirais bien se hyper pour gagner deux trucs à l'affilée, quoi. La KQ-Top et le 5G, non, c'est ça? Ouais, 5G, ouais. C'est qualifié. Ouais. Je le sentirais bien pour un week-end complet où il va faire une razzia déjà de français et après une razzia de tournoi. On verra. Hein. Et toi, Ken? Ah, ça va beaucoup dépendre de la peur de Gaël, mais c'est comment, Problème X semble être quand même assez chaud. Je donnerais un petit avantage quand même à Luffy, qui, mine de rien, c'est sur 4 éditions, 3 fois vainqueur, une fois vice-vainqueur, mais tu sais, c'est genre, c'est le règlement qui l'a entubé, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, parce que sinon, c'était pas possible. Cette année, faut voir, il est quand même...
il est quand même dans une poule assez, tu vois, assez... assez relevée, hein. C'est compliqué, ouais, donc faudra voir quand même comment est-ce qu'il peut gérer. Après, c'est vrai que contre les... que ce soit contre Will ou contre Crimson, contre les Laura, je pense qu'il a l'avantage. Son problème, ça va être évidemment problème X, voir à la fois quel perso va sortir et comment il a taffé contre Mika. Mais ça va quand même être difficile déjà de l'arrêter, aller en phase finale. Et une fois en phase finale, là par contre, on peut sérieusement discuter à plusieurs reprises parce que il y a Pax aussi, il faut le savoir, dans le tournoi. Ouais. Et ce dernier, la seule chose qui a fait qui n'est pas vraiment fait de grosses performances, il a perdu contre Alioune à la dernière dans le match de playoff. Mmh. C'est juste que, tu vois, il tremblait, quoi. Mais si jamais il rate rien avec Karine, ça peut être dévastateur, absolument dévastateur. Après, Luffy est parti au Japon. Donc ouais, il va revenir SSL, aussi. Ouais, une session de training de la salle du temps. Va savoir comment ça va faire. On va voir si aussi Cobblecog s'en sort bien, tandis que les Camille ont vraiment, vraiment, vraiment le vent en poupe dans cette fin de saison de Camille et Guile. C'est les deux persos qui sont les MVP de la fin de saison. D'ailleurs, pour les Japonais, Guile fait partie du top 3. Ah oui, bah complètement, parce que c'est le seul qui tue Ryu. Donc, à partir du moment où tu tues Ryu bien, t'es très, très bien. Hein. T'es très, très bien dans le jeu. Hein. Après, c'est pas non plus... il est pas oufissime, mais bon, le perso, t'as le malheur de te coincer, il te met tellement cher. Et toi, t'en penses quoi de Guile? Il fait partie du top 3 pour toi aussi? Top 3, je sais pas encore, parce que bon, j'ai pas trop tout vu, mais top 5, c'est sûr, il est dans le top 5 du jeu, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'il est dans le top 5, justement? Ah bah, comme Ken l'a dit, il tue Ryu. Et contre Chun-Li, il s'en sort super bien. Pour moi, Chun-Li, ouais. Guile, c'est 5-5. Sinon, je mettrais que Guile galère peut-être et encore contre Nekali, mais sinon, pour moi, il a pas de match-up négatif dans le jeu. Hein. Mmh. Déjà, tout ce qui est Chopper, salut. Il tue Mika, donc à partir du moment où tu tues Mika, c'est une putain d'épine dans le pied que tu t'enlèves. Hein, franchement, je vois pas. Et puis, franchement, il a trop d'outils en fait qui lui permettent de gérer tout le monde en fait. C'est ça le truc. Et ouais, non, c'est sûr. Pour moi, il est dans le top 5 garanti. D'accord. Ok. Mmh. Sinon, Ken, est-ce que des nouvelles de ton projet Cake Top World? Cette année, ça sera clairement pas possible. Et les raisons, elles sont uniquement. C'est même pas une raison de budget. Mmh. Moi, cette année, j'avais réussi à lever en tout près de 20 000 euros de budget à l'année pour organiser les Kakutop. D'accord ? Sur ces 20 000 euros de budget à l'année, j'ai réussi à en organiser deux. Alors, on va dire 2,5 parce qu'il y avait aussi la soirée de lancement street. Mmh. Et on a utilisé une partie du budget pour faire aussi un peu de guilty et de coffre. Voilà. Mais c'est pas possible de trouver des dates, c'est pas possible, c'est un enfer. Et quand on trouve des dates, ah bah non, il y a un petit tournoi en Patagonie, voilà, on va tous y aller, enfin c'est un enfer. Dès qu'il y a un truc qui est brandé Capcom Pro Tour, c'est impossible. Il y avait une frame au début, et depuis le début de l'année, il n'y a plus eu la moindre frame. Mais regarde le nombre de tournois qu'il y a. Plus de 70. C'est n'importe quoi. Oui, il y en a plus qu'il y a de semaines dans l'année. Bah c'est les tournois en block string. tu peux rien faire. C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas de trou, il n'y a jamais de trou. Et regardez là où je pensais avoir trouvé un trou. Il n'y a pas de trou. C'est... voilà. Et là, c'est vraiment la dernière semaine possible. Parce que la semaine d'après, c'est trop près de du voyage aux États-Unis pour la Capcom Cup. Voilà, donc c'est mort. C'est la dernière semaine possible. Et vraiment, tu sais, j'ai dû repousser à la dernière semaine possible, possible. Ajouter à ça que, bon, bien sûr, il y a plein de Capcom Pro Tour, mais aussi sur la JVTV, sur jeuxvideo.com, le planning de la Web TV qui rentre aussi en jeu. Donc moi, à l'arrivée de la... Comme Gaming Live a évolué en JVTV, on a dû s'adapter à un nouveau planning, une nouvelle contrainte aussi. Et j'ai dû trouver aussi des spots qui étaient possibles. Ainsi, lorsqu'on a fait l'E3
lorsqu'on a fait la PGW, bah, tout ça, ça mobilise toutes les équipes pendant 3 semaines en entier, une semaine avant, une semaine pendant, une semaine après, ces 3 semaines où tu peux rien faire, où les équipes elles sont soit off, soit à 24h/24 sur les trucs, et moi sans équipe, je fais pas de tournoi, tu vois, je suis pas Madame Soleil, hein. Donc, il me faut aussi des équipes, donc c'est tous ces contraintes de choses-là qui fait qu'il n'y en a eu que deux. Mais regardez, enfin, j'ai envie de dire, même si la Topanga League a annoncé son retour, d'ailleurs, en version gratuite. Ils n'ont pas annoncé de date encore, ils ont annoncé une date ou pas? Non, juste l'Open Rec gratos, ouais. Voilà, et eh bien, ça sera quand même la première qu'ils vont faire. Et à mon avis, ils vont attendre l'intersaison pour la caser, parce que, tu vois, c'est là où ce sera possible, cool. Sinon, bah oui. Mais moi, faire un tournoi comme la Kakutop en intersaison, pour moi, ça n'a aucun intérêt, puisque le but, c'est aussi de préparer les gens à la Capcom Cup. Si je peux faire un tournoi en intersaison, c'est un truc un peu fun, tu vois, comme le Christmas, mais pas un truc en mode serious business. Enfin, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, trouver la concordance des calendriers, ça a été un casse-tête. Et j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver, hein, jusqu'à la dernière minute où j'ai dû tout basculer en une seule journée. Et oui, il a fallu concorder avec tous les joueurs. Donc, tu vois, c'est très difficile de gérer 10 joueurs comme ça. Quand Red Bull le fait chaque année, ils s'y prennent 6 mois à l'avance. Réservent les joueurs pour une date 6 mois à l'avance. Moi, je peux pas faire ça parce que, bah, malheureusement, sur JVTV, toutes les semaines, il peut y avoir un truc sur le planning qui apparaît et qui nous baisse tout, donc je dois prévoir et ensuite je dois voir avec tous les joueurs un par un comme ça. Cette année on aura quand même droit à une Kakutop Christmas. Ça risque d'être très compliqué. Très compliqué. D'accord. Non, ça risque d'être trop compliqué. Je sais que la prod aimerait bien ici, mais la vérité c'est qu'avec avec les équipes ça risque d'être mort, parce que là depuis le lancement de la JVTV début octobre. Savoir qu'ici les mecs ils arrêtent pas depuis, enfin ils arrêtent pas de bosser depuis octobre. Ouais, d'ailleurs on te voit dans tes émissions tout seul avec ton XSplit et ta souris, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, tu vois. Moi j'ai, pour ma repassante en pif, je peux plus avoir de réa, on a plus assez de monde. Bah après, ça, c'est les trucs en interne à Webedia, mais on a aujourd'hui avec la fusion, donc à la fois jeuxvideo.com, Millennium, IGN, Mixicom, donc avec tout le groupuscule Mixicom les Allociné et le reste, à gérer en force de production avec, on était une équipe de 13, on est une équipe de 7 aujourd'hui. Donc voilà, avec quasiment deux fois moins de personnes et on a deux à trois fois plus de. Et on n'a pas plus de place, tu vois. Donc c'est. Oui, il faut que chacun y mette du sien aussi pour faire ça. Mais tu nous garantis que pour la Kakutop, il n'y aura pas de soucis techniques. Ah non, il n'y a pas de soucis techniques, ouais. Je passe déjà assez de temps sur la PS4 à débloquer tout le chiasse là, le P3. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi la PS4 et non plus le PC? Parce que c'est un tournoi, entre guillemets, pour préparer au Capcom Pro Tour. Donc je veux exactement la même console que les joueurs sur laquelle les joueurs vont jouer durant la Capcom Cup. C'est ni plus ni moins que ça, point final. Et j'avais pris le PC et finalement, ça m'a même pas permis de ramener des sponsors. Mais le PC est plus pratique pour organiser des tournois en quasiment tout. Tu branches, ça marche direct. Après, bon, j'adore les joueurs de la Kakutop, mais sincèrement, la dernière, j'avais annoncé des mois à l'avance que ce serait sur PC. Il y a des mongolos, le jour de l'arrivée, ils étaient là. Oh, les mecs, sans déconner. Putain. Donc bon, voilà, hein, on a la communauté qu'on mérite. Voilà, donc bon, on va faire sur PS4, il y aura Abou Bakari qui gérera les comptes 1-2, ça sera très bien, vous en faites pas, ça va passer comme sur des roulettes. Il va falloir que les matchs s'enchaînent, vite. C'est clair, d'ailleurs, je suis un joueur lambda, admettons, je débute Street Fighter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour espérer participer un jour à la Kakutop, mon cher Ken Bogard? Oh là là, il va falloir mettre de côté ta vie personnelle un petit moment. Je pense que ça demande beaucoup d'entraînement. Il va falloir un peu de génie aussi. Ça, malheureusement, c'est qu'à la naissance. Hein, tu vois. On ne l'a pas tous, je ne l'ai pas, par exemple. Et oui, bah voilà, tenter de... Là, aujourd'hui, alors je sais pas comment ça se passera l'année dernière,
Mais sérieusement, aujourd'hui, si tu veux briller et avoir ta place à la Capcom, au Capcom Pro Tour, le seule chose qui compte vraiment, c'est si tu veux ta place dans la Capcom, par exemple, c'est le Capcom Pro Tour. C'est ce qui met les joueurs en avant, c'est ce qui met en lumière. Gagner un tournoi du Capcom Pro Tour, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui te fait remarquer directement, quoi. Donc c'est donc oui, c'est ça. Et je dis la CACUTOP, c'est évidemment un tournoi européen pour que les joueurs européens soient mis en avant. Ceci, c'est un tournoi de personnalité. Créer des personnalités, créer des matchs, créer de l'ambiance, créer de la hype. Parce que les joueurs ont besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, sincèrement, à part Luffy qui tourne un peu, commence à tourner un peu partout. Parce que voilà, il est PL aussi par Red Bull. Je trouve que les joueurs en dehors de notre cercle à nous, hein, où on les connaît très très bien, sont pas assez mis en avant et reconnus, tout ça. Ouais, être sur Podio.com aussi, c'est permettre de mettre en avant tous ces joueurs-là. Et on espère toucher un maximum de personnes. On verra combien on sera sur le stream, sachant que en regardant réellement les statistiques des tournois Street Fighter V, il y a une stagnation, voire une régression globale de statistiques de vision des streams Street Fighter V. La vérité, c'est qu'il y a gavage, tout simplement. Hein, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Complètement gavage. Alors, et streaming de moins bonne qualité aussi. Oui, aussi ça. Le but, les premiums, mais les rankings qui plantent à chaque fois, ce genre de choses, on n'a pas envie d'aller les voir. Une fois qu'on en a vu un qui plantait, on se dit tous les autres vont planter, ça sert à rien d'aller les voir. Et c'est malheureusement un peu ça le souci. Donc aujourd'hui, l'idée avec la CACUTOP, c'est d'apporter de la qualité, apporter de l'ambiance, même dans les chaumières, tu vois, des gens qui vont regarder sur le stream. Et faire en sorte que les gens soient là et répondent présents, et faire une grosse journée. Et si vous avez malheureusement pas la chance de pouvoir être là ce samedi parce que vous travaillez à l'usine, eh bien sachez que la CACUTOP sera rediffusée dans la foulée. Ah. Une fois terminée, vous aurez la rediffusion de l'intégralité de la CACUTOP qui passera derrière. Donc vraiment jusqu'à dimanche midi, quasiment, ou 10h midi, ça sera CACUTOP et rediffusion de la CACUTOP. Donc normalement, vous allumez JVTV et vous ne pourrez pas la rater. D'accord, d'ailleurs, tu auras un stream français et un stream anglais. Tout à fait. Réalisé par Unequal Media, yep. avec Damascus au commentaire, yep. Qui pourra en plus faire l'interprète franco-anglais pour les interviews. Mm. Ce qui est assez important, car les interviews seront encore là. D'accord, et est-ce que tu as... T'avais ambitionné peut-être une fois d'avoir des commentaires japonais pour ta CACUTOP ? Oui, je l'avais envisagé, mais là on parle de... C'est un tournoi européen. Moi j'attends le regard de la communauté européenne. J'attends que la communauté européenne, toute l'Europe, montre à quel point aussi elle peut être importante et elle peut s'intéresser aux jeux de combat. Tant pas forcément le regard de la communauté américaine. On connaît le regard de la communauté américaine sur la communauté... européenne. Et pour les Japonais, ce qui est important, c'est qu'il y ait des Japonais dans le truc. Si jamais je réussis à mettre en place le projet de CACUTOP World un jour, ce que j'aimerais faire, c'est à chaque fois avoir deux représentants de chacun des continents, donc deux Europe, deux Asie, deux Nord-Américains, deux Sud-Américains. Voilà, idéalement, ça serait ça, dans une poule de 8, du coup, et les matchs qui s'enchaîneraient comme ça. Ouais, d'accord. L'idée, c'est ça. Et si j'arrive à mettre ça en place, oui, à mon avis, il y aura des représentants japonais. Et oui, j'essaierai de mettre en place un stream en japonais. Après, le seul souci de mettre en place les streams japonais, c'est pas la technique, c'est juste une histoire de communication et d'horaire. Voilà. Tout d'accord, ça. Très bien. Là, maintenant, on va plutôt. Là, on parlait du Capcom Pro Tour, il n'y a même pas deux minutes. On va y rester là, sur le Capcom Pro Tour. Et vous êtes sûrement au courant, les rumeurs parlent d'un retrait des premiers events en qualification directe, ce qui veut dire que maintenant les premiers events pour la saison 2017 n'auront droit qu'au double des points des rankings. Et en plus de cela, la division par deux du total de tournois pour la saison 2017. C'est pas des conneries alors tout ça. Ouais, donc il y a même des rumeurs. Deux fois moins de tournois. Deux fois moins de tournois, deux fois moins de premiers, deux fois moins de rankings. Et il y a même des rumeurs, les rumeurs hein, qui citent des tournois français comme étant des premiers events, étant donné que certains vont être absents.
Donc il y a des remplacements de tournois premier event, ouais, plutôt que vous ne le pensez, etc., etc. Donc est-ce que vous pensez déjà que ce changement radical pour la saison 2017 du Capcom Pro Tour est une bonne chose? Et est-ce que cela va-t-il aider à rendre les choses plus claires? Est-ce que cela va inciter les joueurs à jouer dans leur région pour le coup? Donnez-moi votre avis. Qui veut commencer? Vas-y Will, vas-y. Retirer les qualifications directes, moi je suis pas forcément pour. Ils auraient dû laisser comme avant, tu sais, s'il y en a un qui est déjà qualifié, bah ça va au deuxième, etc., etc. Faire deux fois moins de tournois, je pense que, je sais pas. Non, je pense pas que c'est une... Moi j'étais content qu'il y ait beaucoup de tournois comme ça, franchement. Tu sais, ça a lancé une bonne dynamique sur toute l'année, sur toute la saison. Moi je trouvais ça vraiment bien. Et je pense que ça changera rien. Je pense que si MOV il a envie d'aller en Afrique faire un CPT, il ira prendre des points. Hein. Je pense, ouais, que ça, le fait qu'il y ait moins de tournois, je pense que ça va être pire en fait. Ouais. Ils vont aller à tous les tournois en fait. C'est ça. Tous ceux qui auront des sponsors et les moyens de se déplacer se déplaceront quasiment à tous. Et retirer les premiums, c'est retirer la possibilité à un joueur de se qualifier sur un seul tournoi. Ouais. C'est-à-dire que quels que soient les joueurs dans la prochaine saison, si les joueurs n'ont pas fait beaucoup de tournois, il est impossible qu'ils se qualifient, tout simplement. Impossible. Même si tu gagnes un premium, tu fais 256 points, bah regardez à la fin du classement, les 256 points... T'es pas qualifié. Donc, il va falloir faire beaucoup de tournois. Comment est-ce que ce sera réparti, tout ça, c'est un peu la question... Déjà, rien que le retirer les premiums, diviser par deux les tournois, pour moi, c'est déjà un mini aveu d'échec sur cette saison-là. Mais bon, ils testent des trucs, hein, mais en même temps, ils testent des trucs depuis le début du Capcom Pro Tour. Ouais. Mais la vérité, c'est que sur cette deuxième saison, ils auraient pu laisser les premiums, mais il faut absolument, empêcher les gens qui sont déjà qualifiés d'accéder au premium. Cette année, c'était tellement absurde. Les joueurs qui étaient qualifiés, enfin, sont qualifiés au premium, ont gagné 2, 3. Il y avait combien de tournois premium? Il y en avait 14, non? Combien sont 14, qualifiés? Ouais. Il y en a même pas 10, 9 non, qui sont qualifiés. Moins de 10. Moins de 10, ouais. Sur 14 tournois premium, tu vois, et tous les restes, après, c'est du classement au point, avec des points régionaux, mais que tu peux prendre les régions quand t'es pas dans la région. Oh là là, c'est le problème de Capcom, hein, les règles trop floues, laisser au n'importe quoi, c'est un peu. Il n'y a aucune anticipation sur d'éventuelles situations, c'est ça surtout. Il y a ça, mais il y a aussi que Capcom délaisse beaucoup de choses. Ton tournoi, demain, il est Capcom Pro Tour, tu peux mettre les règles que tu veux jusqu'au top 8. À partir du top 8, tu peux mettre la règle officielle. C'est ça. Je veux dire, c'est impensable d'avoir ça dans une ligue d'un autre jeu à grand succès e-sport. C'est impensable d'avoir ça. Et nous, on a ça. Exemple concret, Barcelone. Ça peut être encore pire. Tu peux faire un tournoi du Capcom Pro Tour avec 16 joueurs invités qualifiés qui sont déjà dans le top 16 et 16 autres joueurs qui se tuent dans des poules pour venir les rejoindre. Oui, c'est vrai, et t'as un top 32 avec 16 joueurs qui eux ont pas eu à jouer des poules. C'était ça en Russie. C'est vrai. En Russie, le mec là qui m'a envoyé en loser Fidoskin, lui c'était qualifié à un tournoi pour pas faire les poules, être directement dans le top 16. Et tu t'as le droit, c'est autorisé. Voilà. Ouais. C'est ridicule, enfin bon. Ils avaient fait comme ça en Russie. Donc, même l'absurdité des finales régionales. Les finales régionales, l'absurdité totale. Tu fais un tournoi de qualification pour les finales régionales qui a un niveau plus élevé que la finale régionale elle-même. Et tu qualifies deux joueurs qui ont gagné un tournoi, alors que les mecs des qualifiés régionaux n'ont jamais. Les trois quarts, ils n'ont pas gagné le moindre tournoi. Les mecs, donc, comme c'était le cas de Herbie et de Tokido là, en Amérique du Nord au Red Bull Battleground, ils ont gagné un tournoi, ils ont fait deuxième au tournoi. Ils se retrouvent donc contre les têtes de série numéro 1 et numéro 2, qui eux aussi ont gagné le tournoi. Donc en gros, au premier tour des finales régionales, tu avais deux finales. Voilà, ouais, c'est ça. Deux finales, et les mecs ils vont en loser sur une finale. Ensuite, après, t'as les trois quarts du tournoi qui sert à rien, et t'as le top 3. Voilà. Et c'est mince quoi, c'est un peu bizarre. Planning aussi.
le planning, le fait qu'ils fassent les finales régionales pendant d'autres tournois, enfin ça j'ai pas trouvé ça terrible. Ouais. Parce qu'en fait les mecs qui sont déjà qualifiés, bah, ils viennent quand même faire le tournoi régional pour prendre les thunes. C'est ça. Du coup ça empêche d'autres mecs de se qualifier. Ouais, ça c'est chiant ça. Ouais. Ben, ça c'était... Et ben justement de faire moins de... Alors les premiums, je suis complètement d'accord avec vous, hein, fallait les laisser à slot fixe. Faut pas juste les points, mais pour les rankings, d'enlever des rankings, ça permettrait d'avoir plus de tournois qui ne sont pas dans le circuit Capcom Pro Tour, redonner un peu de blason à certains tournois partout dans le monde, et peut-être avoir du support, justement cash prize et tout, pour que ces joueurs-là se déplacent plus vers des tournois indépendants pour aller pour le fric, très clairement, et laisser plus de place peut-être au ranking, au niveau des points ou ce genre de choses. Ouais, mais le truc, c'est que qui dit moins de tournois, enfin, dit moins de points à prendre. Et, ah, bah ouais, par contre, les gens qui peuvent pas se déplacer ou qui auront pas de sponsor. Genre, il y a eu plein de tournois en Europe qui ont été à côté, tu vois, pour des gens qui ont pas beaucoup de thunes, tu vois. Ça veut dire que si tu mets que quelques tournois, déjà tous les Japonais ils vont aller, les Américains ils vont aller chercher les points partout, même nous, on va aller le faire. Et ça va pas motiver un joueur. Il peut se qualifier chez lui, il va pas y aller au tournoi, il va dire bon, il y a les Américains et les Japonais, je vais faire quoi? Il faut tuer mon gars. Oui, il faut tuer. Moi je suis d'accord avec ça. C'est que, tu sais, comme la finale régionale qui avait à Milan, il y avait combien? Je crois il y avait 4 Japonais, je crois. Ouais, je suis d'accord, mais bah peut-être qu'il faudrait que Capcom se réveille aussi là-dessus. Est-ce qu'il faudrait bloquer les régions? Tout simplement. Est-ce qu'il faudrait Trumpiser le Capcom Pro Tour? Non, ça c'est pas bon pour les organisateurs de tournois, parce qu'on rappelle que Capcom Pro Tour il est pas organisé par Capcom. Hein. Il est organisé par des organisateurs indépendants de tournois. Non, il faut les autoriser. Par contre, les points qu'ils prennent en dehors de leur région sont des points neutres. Aujourd'hui, il n'y a pas de points neutres. Soit tu as des points premium, soit tu as des points régionaux. Mais il n'y a pas de points neutres. Mais si tu vas chercher des points en dehors de ta région, tu as des points neutres. Et tu te retrouves avec des vraies finales régionales qui vont vraiment qualifier quelqu'un de ta région, sans les joueurs qui sont d'autres régions. Mmh. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait à la KQTOP. J'ai pris tout en élaguant ceux qui ont pris les points dans la zone européenne. Et j'ai que des Européens. Et j'ai 10 joueurs très forts européens, tu vois, qui méritent tous d'être au Capcom Pro Tour. C'est juste ça qu'il faut faire. Faut pas les empêcher de venir, ça veut rien dire. Enfin, les mecs, ils font venir des tas de personnes. T'as Daigo dans ton tournoi, tu fais venir des personnes, tu vois. Pour empêcher Daigo de venir au tournoi, ça veut rien dire. Tout le monde a envie de jouer contre lui. Non, mais par contre, le fait qu'ils prennent des points régionaux dans ta région, le classement régional doit être entre les joueurs de chacune des régions. Identifie les communautés, c'est pas très compliqué. Tu vois, qu'ils ont des passeports, ils ont des trucs. On sait très bien de quelle région ils appartiennent. Faut arrêter de me la faire. C'est comme ça. Après, ça demande peut-être truc. On verra comment ça se passera l'année prochaine. On verra quand est-ce que se lancera la saison aussi, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos sur quand est-ce que c'est le début de la saison 2. Pour ça, on aura plus d'infos au Capcom Cup, avec tout un tas d'infos sur les prémismes de la saison 2 de Street Fighter V, les nouveaux modes, les nouveaux persos, etc., etc. Donc on sait de sources sûres que Gouki et Sagat seront dans la place avec un nouveau mode dojo pour Dan, enfin avec le Dan en PNJ qui va te donner des leçons, bref. Et justement, parlant d'annonces, là récemment, il y a eu le producteur Ayano qui a fait une petite annonce en lien avec Street Fighter V. Donc ça avait créé une genre de hype qui finalement s'est avéré être un pétard mouillé, car il s'agissait de tenues à l'effigie de Street Fighter V pour le jeu mobile Monster Hunter Explorer. Est-ce que d'après vous, Capcom se fout de notre gueule, ou c'est de la faute ou c'est de la faute aux sites anglophones qui spamment les articles sur la moindre information, futile ou non, pour juste réaliser du clic? Votre avis là-dessus? Je suis encore allé sur Event Tops aujourd'hui pour voir des cosplays à moitié à poil. Hein, donc oui, il faut. C'est la logique du clic, j'ai envie de dire. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est les vraies infos. C'est tout ce qui nous importe. L'important, c'est de voir ce qu'ils feront pour l'équilibrage. L'important, on a compris que maintenant, on était dans une série de micro-paiements. On a vu que sur la première saison, à la fois, tu étais obligé de prendre le Season Pass. Sinon, vraiment, c'est trop dur d'avoir tous les persos. Ah bon?
Et malheureusement, le season pass n'est pas non plus à la hauteur de tout ce qu'on pouvait attendre quand même. Donc tu es à la fois obligé, mais tu prends un double guac. Ce qu'ils vont refaire pareil pour la prochaine saison. Re-season pass, mais en mode décevant. Sinon, il y aura toujours plus de contenu que tu ne pourras jamais en acheter. Le jeu, là, si tu achetais tout avec de l'argent réel, il coûte plus de 400 euros, je crois. Je suis d'accord avec ça, mais je trouve ça vraiment abusif. Hein. Sur la première année, c'était vraiment du matraquage. Hein. Ouais. Au lieu de nous parler pour la saison 2 et essayer de nous rassurer sur le fait que le jeu va avoir un équilibrage, ils vont retravailler certaines choses, on nous balance des DLC, mais à tout va... Enfin, j'attends de voir aussi si le cash price du Capcom Pro Tour va grossir grâce aux ventes du stage ou pas. Parce que moi, le stage, j'ai acheté. Le DLC à 25 oui, euros, c'est ça ouais. Sur console, 25 euros. Moi, j'ai juste acheté le stage 10 euros il y a une semaine. PC. Parce que, ouais, voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient l'enlever à la fin du mois. J'attends de voir une annonce qui me dit on va rajouter 100 000, 200 000 dollars. J'en sais rien. On n'a aucune info là-dessus. On leur donne de l'argent, mais on n'a aucun retour vraiment de la communauté. Le pire, c'est qu'ils te sortent des costumes pour un quart du cast ou des trucs comme ça. Ouais, c'est quoi ce délire? Je trouve ça vraiment abusé. Il y a eu vraiment trop de contenu additionnel, costumes, etc., payant contre du vrai argent sur la première saison. C'était vraiment abusé. Mais si tu regardes bien, la Fight Money, tu l'as utilisé pour quoi? Moi, j'ai acheté des persos. Moi, je peux vous le dire parce que je l'ai utilisé. Là, j'ai from scratch de rien. Je suis parti de zéro et j'ai grindé la Fight Money de façon légite pour tout acheter. J'ai acheté les stages, sauf le stage qui n'est pas légite de Kanzuki Beach. J'ai acheté les packs de couleurs avec. Donc, les packs de couleurs pour débloquer toutes les couleurs pour ne pas faire leur survival. Et. Pardonnez-moi, et déjà avec ça, t'es déjà bien haut au niveau, au niveau du prix. D'accord. Rien qu'avec ça. Très bien. On va terminer sur un petit récap de la KQTOP 5. Est-ce que tu as en tête, Ken, les deux groupes de joueurs, histoire que tu puisses nous faire un petit briefing sur ce qui attend les spectateurs? Alors oui, dans le premier groupe, il y aura Problem X, Cobblecog, Will to Pack, Crimson et Luffy, voilà, qui s'affronteront dans la première poule de cette KQTOP. Ça sera de 10h, à mon avis, jusqu'à midi. Hein, je pense qu'en 2h, on aura le temps de faire les 6 premiers matchs. Ensuite, on passera à la poule B, hein, histoire qu'il n'y ait pas toute une poule, puis ensuite toute une poule. Tu vois, je les croise un peu, les poules, pour que les joueurs n'aient pas le temps de devenir neurasthéniques et s'ennuyer. Surtout que chacun des joueurs ait le temps de bien manger au milieu des matchs. La deuxième poule sera composée de CCL, Akainu, Amstiladadi, Pax et Infectious. Voilà, donc une poule à la fois très, très hétérogène et composée de persos nouveaux comme anciens. Ça va être très, très rigolo, je pense. Et le déroulement, donc là les poules sont jouées en 3 matchs gagnants. Ouais, 3 matchs gagnants. Ensuite, c'est ça. 3 matchs gagnants, les 2 premiers de chaque poule vont sortir et se qualifier pour les phases finales. Et ensuite, on a un match de play-off, donc un match de barrage, entre le 3ème de chacune des poules. Donc, si vous avez fait 3ème, la dernière édition, c'était Alune qui était 3ème de la poule A et Pax qui était 3ème de la poule B. C'était affronté dans un FT5 pour déterminer qui sera le 5ème joueur. Final, voilà, il peut t'arriver que tu tombes dans une poule difficile avec des match-up un peu compliqués. Ça te permet de ressusciter et de quand même jouer la finale. Ça laisse quand même une chance supplémentaire à celui qui a terminé troisième. Et ça crée un match de barrage qui est souvent un très très bon match à suivre entre deux joueurs qui ne se sont pas affrontés durant le tournoi et qui ne s'affronteront plus non plus. Donc c'est un match qui est assez unique. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, voilà, les phases finales seront en FT5, hein, sans les deux points d'écart. Donc premier arrivé à 5, tout simplement. Okay. Ouais, les deux points d'écart, ça peut être très vite cancer. Et là, malheureusement, j'ai pas de quoi être cancer. Déjà, il apparaît très très clair, hein, c'est par l'expérience hein, qu'on parle, qu'en FT2, Street Fighter V donne lieu quasiment tout le temps à 1-1 et match final sur un niveau à peu près équivalent. En FT3, on a beaucoup de 2-2, moins quand même, mais on a quand même beaucoup de 2-2 qui se départagent au troisième point. Ça a été récurrent toute l'année. Sur FT5, en revanche, il n'y a plus d'embrouille du tout.
par rapport à celui qui a gagné ou pas. C'est souvent le meilleur dans ce cas-là. Après, évidemment, c'est sûr, ça reste qu'un set de jeu. Mais oui, c'est... Parce que, ça va, dans Street Fighter V, ce qui pose problème, c'est surtout qu'au milieu de l'écran, le crush counter est tellement fort, en fait, et tellement peu... enfin, anticipable. Dans Street 4, il y avait aussi des counter hits au milieu de l'écran. Mais le counter hit au milieu de l'écran, voilà, c'est ça. Le counter hit au milieu de l'écran, il donnait pas lieu à une toupie. Tu fais dash avant et tu mets full combo derrière, tu vois. Donc le counter hit, il était minimisé au milieu de l'écran. Tombait aussi au pif. Mais quand tu tombes sur un counter hit au pif dans Street Fighter 5 au milieu de l'écran, vraiment la barre se fait derrière. Donc à cause de ça, souvent tu peux perdre des rounds en n'ayant fait rien. Toi, t'as appuyé sur jab et puis t'as pris crush counter. Tu vois, c'est... Donc il y a un petit facteur quand même qui fait que certains rounds sont perdus de façon parfois un peu hasardeuse. Voilà pourquoi on a tendance à essayer de faire un peu plus de sets pour diminuer. Plus on fait de sets, plus on diminue ce facteur hasard. Donc c'est en 3 et en 5, ce sera très très bien. Peut-être qu'un jour, on ira plus haut, mais là pour cette ligue, ce sera parfait. Très bien, et question, l'une de, je crois même que c'est la dernière question. Les vainqueurs, ils gagnent quoi ? Le vainqueur gagne 1 250 €, tout de même. Voilà, il y a 2 500 € de cash prize, plus peut-être quelques bonus, on verra, à se répartir sur les 4 premiers de cette CAQ Top League. Donc même le dernier, il repart avec 300 balles. Quoi. D'accord, donc, c'est très très bien, c'est réparti. C'est quoi ? C'est du... Enfin, le premier part avec la moitié, ensuite ça doit faire du 25-15-10. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Ok, ben merci Ken Bogard de ta présence et de nous avoir un peu plus expliqué en détail cette 5e édition de la CAQ Top League et de nous avoir donné ton avis sur tout plein de sujets. Ben de rien. Merci vous Tupac, merci Martidis pour l'intérim. On fait des gros bisous à Drus d'ailleurs. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On n'en parle pas. Des bisous à tous, dosez bien et rendez-vous samedi pour la CAQ Top 5 en direct sur le Twitch de JVTV de 10h à 23h. A plus. Ciao.